Salut les abonnés, salut les amis, j'espère que vous allez bien. En ce mois de juillet, on vous propose une nouvelle petite vidéo qui durera quand même une trentaine de minutes avec beaucoup de belles actions. On vous proposera au programme Loup, Sar, Dorade, Gros Limon, Rota Sergal et plein d'autres actions. J'espère que ça vous plaira et je vous souhaite un bon film à tous. Bon, on commence par une belle image que Kevin nous a filmée qui va aller rendre visite à un joli mérou. Il va bien l'approcher. Je vous laisse le soin de regarder. Encore un autre mérou qui va les voir. Ce jour-là, ils étaient de sortie. Vous le voyez là, il papillonne avec ses nageoires. Et il va bien l'approcher. Une super séquence. Allez, c'est parti. Première action, un sar repéré depuis la surface qui rentre dans sa faille, que Tony va aller le capturer. Un denti repéré depuis la surface, il le suit, quand il sent le moment, il entame sa coulée, il fonce dessus, un tir au vol comme ça, pas facile, bien joué, il est touché, un beau petit denti de 1,2 kg. Pas facile un tir comme ça. Bravo, bien joué, belle action. Thank you.
Là, c'est sur une indienne de surface qu'il était en train de suivre une belle dodo qui passait le kilo facile. Mais il va la manquer, dommage, de pas grand chose. Un petit agachon, pas profond. Un appel au poisson et un petit labre sur la gauche, bien voir ce qui se passe. Et puis sur le milieu, regardez bien, un joli sar va arriver, le tir lui sera fatal. Et là, il va aller récupérer son poisson qui est dans les algues. Là, c'est à contre-courant qu'il aperçoit une belle dodo qui nage vite. Et croyez-moi que c'est pas facile de nager comme ça à contre-courant. Il entame sa coulée, il fonce dessus et fait un tir lointain. Effet mouche, superbe action, bravo, pour avoir des bons réflexes et surtout de palmer à contre-courant. Belle capture et méritée aussi. Là, regardez bien sur cette action, il est posé en bas, il aperçoit un sar qui juge trop petit, et soudain les castagnoles s'excitent un peu, il regarde un peu sur la droite et arrive
un banc de petites blanquettes, des petites dodos là qui passent. Mais les castagnoles sont toujours excitées. Donc ils jettent un petit coup d'œil. Et hop, au-dessus, regardez bien, il y a des limons qui se présentent. Il va choisir le plus près, mais malheureusement, il va le manquer. Allez, on va un peu dans le sable. Là, il vous montre quelque chose. Vous vous doutez ce que c'est encore. Encore une belle sole. Là, il s'aperçoit que les mouettes plongeaient dans l'eau et qu'il y avait une chasse, donc il se précipite, nage dessus, descend, et oui, effectivement, des tassergales sont présents. Il va en tirer un, mais le rater. Dommage. Des limons se trouvent entre deux eaux. Il les a vus, il va dessus. Il y en a deux qui s'alignent, il tente le doubler. Bon, il n'y en a qu'un qui sera capturé. Et regarde bien où va le reste du banc. Comme ça, il va peut-être en faire un deuxième. Une fois le premier mis à l'accroche poisson, je vous ai mis en mode rapide, il recharge vite son fusil et ne lâche pas des yeux, car il y en a qui continuent à nager dans les algues, il va en poursuivre un et en faire un deuxième. Superbe, ça fait plaisir. Il y en a même eu un troisième, mais je vous ai pas mis l'action car il a été manqué. Mais c'est déjà beau de...
Il progresse à l'indienne doucement comme ça, et dès qu'il passe la tête de roche en haut, il aperçoit un bara et va l'aligner. Allez, retour dans le sable pour une petite série de loups. À peine posés, les mulets sont déjà là. Et toujours le même principe, il y a toujours un loup qui se démarque. Là, il poursuit un loup depuis la surface, vous l'avez vu, là, juste en face, un peu où il y a les algues. Il fait la coulée dessus et un tir qui fait mouche. La idem, il poursuit un loup depuis la surface. Il le suit. Quand il sent que c'est le moment, il descend dessus. Un joli tir pour un beau loup de 2 kg. Voilà, il n'a plus qu'à aller récupérer son poisson qui est dans les algues. Un joli loup, bravo.
Allez, changement de chasseur. Il aborde son indienne tranquillement le long des rochers et s'aperçoit en bas qu'il y a des sars et une belle dodo qui est occupée certainement à manger quelque chose. Elle est tranquille. Il attend un peu, voit, elle ne s'approche pas. Donc il décide de se mettre un peu en retrait et pour voir si elle essaye de venir. Mais non, il n'en sera rien, donc il va remonter et refaire une tentative. Son embarcation est bien à côté de lui avec le signal. Comme ça, il est en sécurité. Là, il aborde la pierre. Cette fois-ci, par l'autre côté, il la voit mieux. Il s'avance un peu. Elle ne l'a toujours pas vue. Donc, déclenche un tir. Super, elle est touchée. Une belle action. Bravo. La ténacité en chasse sous-marine, ça finit toujours par payer. Il n'a pas lâché son poisson. Et il a pris. Retour encore dans le sable. Lorsque quelques liches glock passent au-dessus, en surface, regardez. Et au même moment, un beau loup pointe son museau. Il est un peu surpris. Déclenche son tir, mais va le manquer. Dommage, c'était un boule. Depuis la surface, il a repéré un beau limon qui nage tranquillement. Il prend son temps, il le suit, il descend dessus. Le limon a l'air toujours tranquille et se laisse approcher. Et là, on ne peut pas mieux faire, il va à bout portant et le sécher. Superbe capture pour cette petite sériole. Bravo. Après une bonne petite minute d'agachon, il s'aperçoit que quelque chose arrive. Donc il tourne un peu son fusil et oui, un joli banc de petites sérioles qui lui viennent dessus. Et il y en a deux belles
regarder qui sont en tête et va en choisir une et la tirer. Elle a été touchée en bas dans les parties vitales. Il va falloir bien la travailler, chose qui va bien faire. Et le double ardillon a bien fait son travail aussi. Depuis la surface, il la maintient en tension. Et regarde bien comment elle progresse, car elle se débat bien encore. Là, il entame sa descente et va sur le poisson, tout en la maintenant en tension. Et une fois qu'il est sur elle, il la plaque sur le sable et la saisit par les ouïes pour la remonter. Superbe action, je pense que ça vous aura plu aussi. C'était magnifique. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Après un bel agachon, dans une belle boule d'anchois aussi, surgit une belle masse. Il y va dessus pour gagner quelques mètres. Déclenche un tir derrière la tête, magnifique. Maintenant, il va falloir le travailler, mais il a été super bien tiré derrière la tête et le double ardillon a bien fait son travail encore. Méfiance, car la morsure des tassergales peut occasionner des dégâts, quoi. Vous avez vu, je vous avais dit, la violence de ce poisson nous surprendra toujours.
Ça y est, il commence à s'épuiser, il va pouvoir le ceinturer. Superbe tassergal de 6 kg. Un grand bravo, une très belle action et une belle maîtrise. Voilà les amis, ainsi s'achève la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et moi je tiens à remercier Kevin et Tony, encore de superbes images, je me suis régalé. J'espère que vous en avez fait autant. Et je vous laisse finir sur une image qu'il a filmée sur une badèche qui va approcher aussi. Allez, on vous dit au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures.